Nous allons réaliser maintenant une viande type couscous en faisant une programmation avec un système de notes qui va nous permettre de rajouter en cours de cuisson un petit mémo pour un mouillement, un rajout d'éléments comme les légumes ou les merguez. Je vais dans le manuel. Je vais donc gérer premièrement une phase de marquage. À 200 degrés pendant 5 minutes avec une vitesse sur la cinquième ou raffermée. Je peux rajouter une phase par là et par rapport à cette phase-là, je vais intégrer une note pour me faire penser à rajouter les légumes. J'aurai ma note va s'intégrer entre deux phases. Je vais rajouter une nouvelle phase avec une cuisson mixte à 170 degrés. Pendant 10 minutes avec 15% d'humidité. Rajouter une troisième phase. Par contre, sur cette troisième phase, je peux de nouveau mettre une note. En me demandant d'intégrer les merguez. J'appuie sur Entrée. Je retrouve intégrer merguez. Je peux rajouter une dernière phase avec un système de maintien à 75 degrés en infini avec 20% d'éléments. Rien de plus facile. Je pense bien sûr à noter ma recette en enregistrant le programme. Donc on peut considérer que c'est un produit braisé ou à la vapeur et en le nommant par exemple couscous. Entrée. Donc on peut voir maintenant sur l'écran que j'ai une phase de marquage, une phase pour ajouter les légumes, une phase de cuisson, une phase pour intégrer les merguez. Je peux jouer également sur l'humidité en rajoutant ou en enlevant plus de produits ou pas. Et il me suffit juste d'appuyer sur Start. Je peux également lancer le préchauffage. Première étape, je vais donc mettre ma viande en marquage. Et là, je n'ai plus qu'à me laisser guider. L'appareil me donnera les éléments à rajouter au moment voulu. Ah, l'appareil me précise, m'avertit qu'il faut que je rajoute mes légumes. Je lui indique que je l'ai bien réalisé. L'appareil me signale que je peux maintenant mettre mes merguez et mon liquide. Je lui indique que j'ai réalisé la manipulation et va terminer la cuisson. Voilà, notre plat du jour est maintenant terminé. Donc nous pouvons au choix soit laisser notre plat du jour en maintien dans le corps d'urique compact ou éventuellement le mettre en cellule si c'est un plat du jour
pour le lendemain.